Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une confidence, mais chut. Et puis, j'espère qu'elles vont pas le voir parce que faudrait pas qu'elles m'en veuillent. Bon, je vous explique. En fait, j'anime des séances de yoga du rire 3 fois par semaine au Sable d'Olonne pour l'association Rire aux éclats. Et parmi les 3 groupes, il y a une partie de l'un des groupes qui s'est créé un petit fil WhatsApp pour pouvoir communiquer plus facilement, échanger sur des petites sorties, tout ça. Et c'est vraiment créer un lien entre toutes ces personnes. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'adore le mot bienveillance. Pour moi, la bienveillance, c'est quelque chose, un comportement que j'affectionne particulièrement parce que c'est faire attention aux autres, c'est se respecter, respecter les autres. Enfin, voilà, pour moi, c'est très complet. Mais c'est un mot qui est un peu à la mode aussi, on essaie de dire ouais. Et en fait, si je reviens à ce petit groupe de personnes, elles m'ont intégré dans le fil WhatsApp aussi. Et donc, je prends, mais alors, un immense plaisir à lire leurs messages. Parce que elles sont justement toutes ces personnes très très bienveillantes. Quand quelqu'un a quelque chose, elles vont prendre des nouvelles au moment là. Mais aussi le lendemain ou le surlendemain, elles sont vraiment présentes, il y a un lien qui est là. Et puis, la bienveillance, c'est pas que dire prendre soin de l'autre et s'intéresser à l'autre, non, c'est aussi y mettre les formes. Et en fait, ça demande du travail un peu, hein. C'est pas juste tiens, bonjour, tiens, j'ai besoin de ci, ça, ça. Non, c'est bonjour, comment vas-tu? Et qu'est-ce que ça a donné par rapport à ce que tu as dit hier? Et alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire demain? Et c'est vraiment s'intéresser à la personne, vous voyez? Et je trouve que, en fait, moi, j'adore lire leurs messages parce que c'est tellement plein de bonheur, de positif, de partage. C'est vraiment excellent. Ouais, elles sont formidables, en fait. Enfin, ils aussi, parce qu'il y en a un dessus. Et donc voilà, juste pour vous dire que la bienveillance, c'est pas juste une mode, ça se travaille, ça se crée, ça se construit, et c'est juste sublime et ça en vaut la joie. Donc, au-delà de juste un terme, il y a tout un comportement, tout un mode de vie, carrément. Ouais. Je sais pas si elle l'était déjà avant, si c'est le yoga du rire qui leur a permis déjà de se rencontrer, de se retrouver et de construire ce groupe. Et je pense qu'une grande partie l'était déjà avant, ça c'est sûr. Et le fait qu'elles se soient toutes trouvées comme ça, toutes ces personnes, ça a fait que renforcer ces belles valeurs qu'elles avaient entre elles. Donc merci de faire partie de ma vie, à tout ce petit groupe, et aussi à tous les autres groupes de yoga du rire, mais aussi à toutes les personnes qui font partie de ma vie, parce que généralement on attire ce qu'on est en fait. Donc voilà. Donc un bisou à toutes les personnes bienveillantes et à toutes celles qui veulent le devenir. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, ça en vaut la joie. Ciao, bonne soirée.